Salut, c'est Wendy. J'ai loupé mon intro. Et coucou les coupins, c'est l'heure à la 8. Je sais plus ce que je devais dire. Alors, on se retrouve sur J'allais la vous faire 6. Un salut les copains, je pense. Salut les copains, comment allez-vous? Aujourd'hui, c'est Bou qui présente cet épisode. Salut, c'est Bou. Voilà, tout à fait. Donc, on se retrouve sur BioShock. Ouais. Remastered. Quoi? Comment ça, remastered? Oui, on fait le jeu original, on veut mieux. Alors, on va expliquer tout de suite. Malheureusement, le souci de... Mettez dans les commentaires, c'est honteux, là. Il y a mensonge sur la marchandise. C'est vrai. Et ça sera toujours intitulé BioShock. On se retrouve donc sur BioShock Remastered, parce que le souci, c'est que le problème des sous-titres sur la version d'origine est un souci connu de tout le monde, depuis le début, hein, sur la version PC de BioShock. Mais rien n'a été fait. J'ai tenté des trucs, ça n'a pas marché, donc la solution qui a été donnée, c'était jouer à la version remaster. Voilà. Donc, merci le palliatif, quoi. Non. Mais, désormais... Mais les sous-titres fonctionnent... Donc oui. Un peu mieux. Excusez-nous, on est passé sur la version remastered, but... Mais voilà, les... On a les sous-titres, vous avez les sous-titres, et on n'a plus de dialogue, pour nous, inaudible, et donc on loupe tout, quoi. Voilà. Donc on a remonté un peu les sons et tout ça, voilà. Donc, il y aura peut-être une petite différence entre le premier. Sachant que la version remastered est quand même très jolie. Oui, ça a l'air que finalement les bugs qu'on avait vus sur le comparatif ont été arrangés avec le temps. Ouais. Oui, parce qu'on avait regardé un comparatif et on s'était dit... Mais c'était peut-être un comparatif au moment de la sortie. Ouais. Donc c'est peut-être... trompeur. Donc, dans la dernière session, qui était la première... Incroyable. On a commencé le jeu. On a découvert Rapture, On s'est crashé avec un avion. On a découvert un phare au milieu de nulle part. Voilà, on est rentré dans le phare. On a plongé dans un bathysphère. Et ça nous a fait plonger et découvrir Rapture. Rapture. La ville sous-marine. Sous-marine de Andrew Ryan. Qui a découvert qu'on était là, qui nous a dit mais vous travaillez pour la CIA, le KGB et tous ces trucs là. Adios Pepitos. Et donc Andrew Ryan veut nous buter. Voilà, et donc on est loin de la ville idyllique, hein. C'est ça, on n'arrête pas de se faire agresser par des crozomes. On a croisé, nous on était spectateurs, mais on a croisé une petite sœur. Tu me diras, non, on a vu une petite sœur qui voulait nous... On a vu une petite sœur au moment où on avait récupéré le plasmide arc électrique. Ouais, à ce moment-là, on a voulu foutre en l'air. Voilà, et on a vu une autre petite sœur qui s'est fait attaquer par un chrosome et qui s'est fait défourailler la gueule par un protecteur. C'est le terme. Et chose étonnante... Oui. C'est pour ça que je suis assez étonné de la version PC, parce que je me demande même si la version PC, c'est une version qui a vraiment été bien programmée. Parce que on avait été étonné que dans la première fois où on rencontre une petite sœur, la petite sœur dise « Monsieur Bubule » pour parler de... J'avais jamais entendu parler de Monsieur Bubule. Moi, le seul Monsieur Bubule que je connais, c'est dans Nemo, avec le gars avec le poisson qui fait Bubule. Voilà, c'est tout. C'est le seul truc que je connais, hein, avec Monsieur Bubule. Mais je m'étais dit, c'est peut-être le premier texte, et je m'en souvenais pas. Et dans cette version remaster, qui correspond plus à ce que moi je connais, le premier dialogue de la petite sœur, elle appelle bien le protecteur Monsieur P. qui est la version française que moi je connais. Voilà. Alors, est-ce que Monsieur Bubule, c'est la version canadienne? Je ne sais pas. Dites-le dans les commentaires. Après m'avoir dit, encore une fois, parce que on je joue toujours aime, à la manette. On vous aime, les Canadiens, on vous aime parce les Québécois. Parce que je joue toujours à la manette. Des cœurs sur vous, les chums, hein, mais... les chums. Des cœurs sur vous, les chums. Ouais, c'est ça. Donc, C'est canadienne, quoi. C'est tout ce que t'as trouvé. Quoi. Je sais pas. Tu veux pas dire non. La version belge, alors. C'est la version PC. Elle a changé c'est les la version... noms. Oui, c'est peut-être juste la version PC qui te mais mal moi, branlé. Dans ce que je connaissais et dans ce que tu connaissais, c'était Monsieur P. Monsieur P. Ça a toujours été Monsieur P. Donc c'est pour ça que... Regarde, Monsieur P, il est en train de mourir.
Et donc, vu qu'on avait été découvert par Monsieur Ryan... Oui. Reynolds, non, pas non. Celui-là. Andrew. Andrew Ryan. On a été obligé de se diriger vers un autre lieu que celui qui était prévu. Oui. Et donc, parce que normalement, on est censé se rendre... On est truc de Neptune, là. Ouais, c'est ça, un truc... un lieu appelé Neptune oui. Pour sauver la famille de Atlas, qui a l'air d'être notre seul allié. Hein. Oui, c'est ça. Et on a été obligé donc de se... De changer d'itinéraire. De bifurquer. Ouais, bifurquer. Vers le... Mince. J'ai oublié le nom. Le... C'est pas indiqué sur la carte, par hasard. Une espèce de centre médical. Le pavillon médical. Le pavillon médical. Voilà. Donc voilà, en plus c'est marqué là, médical pavillon. On est vraiment débiles. Et donc c'est vraiment à partir de là que le jeu commence, parce que là le jeu en fait, bah déjà on n'a plus de flèches. On peut donc considérer que c'était un tuto. Voilà, tout à fait. Ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et tu vois, rien, on est toujours prêt à casser des gueules. Ouais, c'est ça. Je vais vous défoncer. Et donc voilà, déjà on a accès à la map maintenant. La SMAP. Pour très jolie ce map. Vous voyez, première zone qui est quand même déjà plutôt grande. Il y a un sas d'urgence près de l'entrée du pavillon médical. Utilisez cette bathysphère d'urgence pour rejoindre le trésor de Neptune. Voilà, le trésor de Neptune. C'est là que se trouve supposément la famille de Atlas. Donc passer par le sas d'urgence. Voilà, c'était ça. On peut retrouver les messages radio. On a toutes les notes, mais ça. Je pense qu'on n'en aura pas vraiment de l'utilité. Et c'est pareil, on va avoir accès à plein de choses, plein de nouveautés qu'on n'a pas encore vues. Donc là, la Vita Chambre où ils disent Introducing the future of health and wellness. Je ne sais pas ce que veut dire wellness. La bonne santé. Ouais, c'est ça. Ça restaure vigor and spirit with the touch of a button. Yeah. Donc ça restaure la vigueur et l'esprit avec c'est une. Ça. En appuyant sur un bouton. Là par contre on n'a pas la trad des. Mais tout n'est pas traduit, hein, même oui, dans le jeu vrai. D'origine. C'est vrai, c'est vrai. Mais jusqu'ici on avait tous nos affichages qui étaient traduits. Donc voilà, regarde. Vitasta, souvent copié, jamais égalé. Vous êtes à sec, faites le plein d'Ève. Donc voici la farandole des prix. Un farandole. Qui est en fait, alors voilà, c'est pour ça qu'il y a de l'argent. Alors peut-être que l'argent que j'ai n'est pas exactement le même, parce que peut-être que j'ai trouvé un petit peu plus d'argent que dans notre. Peut-être que le remaster est plus généreux, peut-être. Non, je pense que j'ai fouillé un petit peu plus ouais. Tout à l'heure. Ah oui, d'accord. Et donc voilà, acheter article. Donc. Bienvenue à la farandole des prix. Donc qui sera en fait l'une des boutiques qu'on aura accès dans le jeu, yes. Donc, qui permet d'acheter donc des trousses de soins, des seringues d'Ève, de la vodka, des munitions. Regardez-moi cet effort surhumain. Munitions. Et non mais tu peux. Hein. C'est pas grave si tu... Tu vois, rien... C'est pas grave si tu le dis comme d'habitude. Tout n'est pas forcément traduit. Alors après, est-ce que ça fait partie de ta marque de fabrique. Oui, je sais. Je sais. Tout n'est pas traduit, hein, tu vois. Alors, ouais. Est-ce que c'est la version... Après, est-ce que c'est vraiment obligatoire Après, c'est les pubs. Hein, Fontaine Futuristics. Acuvox. Ah, ils appellent ça des Acuvox, les... Les cassettophones. Les cassettophones, ouais, comme on les appelle. On est dans Animal Crossing, nous. Tiens, un Acuvox... Alors. Le docteur Chan m'a dit que je sortirai aujourd'hui. Ryan n'est pas venu me voir une seule fois depuis l'attaque du Nouvel An. Mais le docteur était aux petits soins. Il m'a dit qu'une fois la cicatrice disparue, il allait me retaper en un rien de temps. Je serai la plus belle. Il est vraiment gentil. Et il s'intéresse beaucoup à mon cas. Ouais. Sûrement. Le pavillon médical. Sûrement j'y crois, oui. Sûrement, j'y crois. Vu comment tout le monde a fini dans cette ville, bon. Ah oui, on va tout de suite nous expliquer le système de piratage. Oh yeah. Alors attends, parce que normalement, je vais vérifier, mais je crois pas qu'on puisse monter pour le moment. Oui, voilà, c'est fermé. C'est fermé. Ouais, y a un cadavre qu'on peut fouiller, mais il n'y a rien.
T'es nul, tu sers à rien. Vous êtes à sec. Vita stat. Voilà, donc c'est toujours les. Là, c'est les mêmes pubs. Oula. Là, je suis passé dans le trou, j'ai eu peur. C'est vraiment, tu tombes comme un plot. Donc voilà, donc là on va. Alors déjà on peut fouiller bien sûr. Mais voilà un robot de sécurité, donc qu'on avait vu dans l'intro. Oui, tout à fait. Et on va apprendre le système de piratage. Donc les robots de sécurité piratés deviennent vos alliés et attaquent vos ennemis. Donc on nous explique, donc voilà, on a des plaques avec des points d'interrogation. Découvrez les segments de tubes sous les plaques. Mmh. On peut échanger donc les tuyaux, les segments de tubes. Pour créer une canalisation continue, guider le métal en fusion vers la sortie. Alors je savais pas que c'était du métal en fusion, tu vois, ouais. J'avais jamais fait gaffe. Donc voilà, et en fait vous allez avoir... Mesdames et messieurs, c'est un taquin. En fait, tous ces trucs-là, là, qu'on peut libérer, hop. Et vous avez donc le métal en fusion. Tout à fait. Qui se déverse, tout à fait. Donc on a quand même un temps limité. C'est ça, tout à fait. Et alors, ceux, il y en a qui seront plus ou moins difficiles. Plus on avancera... En fait, plus on avancera, plus il y en aura qui seront difficiles. Donc il y aura plus de cases. Mmh. Il y aura des cases où on pourra pas faire passer les liquides, sinon on se prendra des dégâts, ou alors on activera l'alarme. Il y a plein de choses dans le genre. Et là, je pense que tu peux terminer. Et on peut faire terminer quand c'est bon pour nous. Les robots de sécurité piratés deviennent vos amis. Vous allez voir, hop, bon, il est un petit peu... Bah, il a un petit peu sonné, quoi. Il a été coincé entre deux voilà. Postes. Et donc, il nous aidera, le temps qui fonctionne. Qu'il survivra. Voilà, c'est ça. La sécurité. Ah, bon. Pourquoi ça fait des roues ça. Alors, vous voyez que les chromosomes ne sont pas forcément sympas entre eux. Non. C'est la loi de la jungle ici. Je me fais. C'est bien, mais on voit un petit peu du lore de Bioshock comme ça. Vous voyez là le robot de sécurité se bat avec moi. Il souffre un peu, je crois. Bah, il était déjà souffrant. Il est mort, le robot de sécurité. Non, il est là. Mais bon, il était déjà souffrant, hein, de base. On avait... Donc voilà, donc la bathysphère qu'on doit atteindre. Vous voyez que pendant, on s'est bloqué. De toute façon, c'était marqué, hein, sas d'urgence. Ouais, voilà, sas d'urgence. Yes. C'est là qu'on doit aller. Ok. Est-ce qu'il y a des choses cachées? Ouais, notre petit drone, il est quand même voilà, y a... efficace. Un cassettophone. Steinman. Là-dedans, et Ryan. Après des années d'études. Ils volent. Vraiment les chirurgiens avant de les rencontrer. Très bien. Nous gâchions nos coups de scalpel avec notre moralité désuète. Nous incisions un furoncle par-ci, rabotions un nez par-là. Cependant, pouvions-nous vraiment changer les choses? Je ne crois pas. Là-dedans, nous donne les moyens de le faire. Et Ryan nous libère de l'éthique illusoire qui nous entravait. Changez d'allure, de sexe, de race. Votre corps vous appartient. Il ne tient qu'à vous de le modifier. Tout à fait. D'accord, ok. La commande du sas d'urgence. Voilà, ça ne marche pas. C'est raté. Donc voilà, il va falloir qu'on prenne la clé à Steinman. Et donc, on va trouver notre... Dis donc ! Oh, les attaques surprises, hein ! J'allais dire, on va trouver donc notre deuxième arme. Donc, la mitrailleuse. Tout simplement.
Et donc ici, on a un levier de dérivation électrique qui va nous permettre d'ouvrir logiquement la porte qui est en face. C'est cela. Attention, on a les ennemis qui vont arriver. On vague. Bonjour. Ah. Ah, au début, ça va être un peu la galère. T'es obligé de me tirer dessus. Couché. T'as purée. Attends, je voudrais... Et on se tire dessus. Comme d'hab, les femmes sont plus fortes. C'est ça. Il y en a encore une. Couché. Et des fois j'aime bien comment il... Normalement je crois que c'est bon. Tu vois, on s'est un peu fait tabasse là. De toute façon le début du jeu ça va être ça. Hein. Ouais. Ah, il y en a encore. Hein? Sinon attends, on va utiliser un petit peu... On va utiliser un peu les armes. Un peu. Oh, bien! Bravo, drone! Lève, de toute façon, c'est un truc qui va partir très vite au début du jeu. C'est ce que je disais tout à l'heure. On a plus de réserve. Ouais, les... C'est pour ça que des fois, on sera peut-être un peu obligé aussi de... Je me souvenais pas qu'il y avait autant de monde. Purée. On se fait vite de l'argent quand même. Ah, tu vas voir, de toute façon, l'argent il va descendre assez vite parce que, comme il va sûrement falloir que je. Que t'achètes de l'aide. C'est ça. Ouais. Alors, il y a des petits trucs à lire là. Unité de premier soin. Donc ça c'est ce qu'on a vu qui est pété malheureusement. Okay. Et c'est ces trucs là. Je trouve... Ah. Ah, un fantôme. Vous m'aviez promis de me faire plus belle, Salma. Vous l'aviez promis. Et regardez-moi. Regardez-moi. C'est la copine... Ah, il avait promis de me faire belle. Ouais, bah... Bah, non, elle a mal tourné. Oui, un cadavre. Non, les fantômes, ce sont les fantômes des... Bah... Des crozos, en fait. Ok. Attends, je regarde si au moins... Si... Si dans les... Sous-titres... Pourtant, sous-titre graphisme, c'est bien marqué. Bizarre. Parce que ça, je suis sûr que ça, il le traduisait. Above all, don't harm Steinman. Eh ben, gardez-moi toute cette confiture de fraises. Alors. Pose de nouveaux problèmes aux professionnels de la médecine. L'évolution de nos outils entraîne celle de nos canons esthétiques. Voyez-vous. Jadis, j'étais heureux d'enlever une verrue ou de révéler l'être humain qui se cachait derrière le monstre de foire. Mais c'était avant. Nous faisions, n'est-ce pas, avec les moyens du bord. Avec la dent, la chair humaine redevient cette argile originelle, ce matériau brut, riche d'une infinité de possibles. Ne serait-ce pas criminel de notre part de ne pas sculpter cette argile encore et encore? Jusqu'à ce que l'œuvre soit là, devant nous, inondée de sa perfection. Il n'est pas trop grand, lui, effectivement. Voilà, Steinman. Voilà, dans toute sa splendeur. Les pompes funèbres, c'est par là. Ah, il a l'air... ça a l'air d'être un homme vraiment... délicieux. Délicieux. Ah, ah oui, ici, il y a... Une tourelle.
le truc. Putain, mais... Donc voilà, on va pirater. Parce que c'est pareil, les tourelles, on peut les rendre sympathiques. Pacifiques. Tu vois que ça va. Ça commence déjà. Donc, à aller déjà, un voilà, peu plus vite. Là, vous voyez, et c'est plus rapide et c'est un peu plus compliqué. Parce que vous voyez que là, il y a des. Ouais, des blocs. Des blocs. Piégés. Pas gentils. Pas gentils. Voilà, nice. Voilà. Nice. Parfait. Voilà, donc les tourelles piratées, c'est pareil, ça devient gentil. Comme ça, si y a un ennemi qui passe, voilà. Ça se fait déglinguer. C'est pareil, les tourelles, ça défonce les ennemis. Donc c'est là aussi pour nous aider, nous faire du bien. Nice. Ah, petite... Bien sûr, hein, il y aura beaucoup de dialogues. Une autre tourelle ? Ils sont semblables aux dévoyés. Ah oui, c'est bon. Des corrompus qui rôdent sur les rebelles à la recherche d'une proie facile qu'il séquestrera et torturera. Oh, désolé, hein, mais on joue en même temps, hein, donc. Je cherche ça. Non, pas du tout. Celui-là ? C'était plutôt celui-là. Désolé, hein, des fois je bug un peu. Je cherche les trucs. On cherche les pièces. C'est voilà. Ça. Ok. Ça, tourelle est gentille. Pareil, elle nous aidera quand il y aura des ennemis. Bon, du coup, le dialogue était toujours affiché. Il faut trop le temps. Putain, arrêtez de me bloquer, bordel. Ah, voilà, là, Nini. Là, par contre, on va bientôt perdre notre tourelle d'eau. Notre drone ne se sent pas bien. Il ne regarde même pas, tu vois. Pas de soucis avec nous. Oh. Donc, encore une farandole des prix. Et donc, il y a le distributeur de munitions. Ouais. C'est Al Amo Bandito. Tout à fait. Voilà. Donc là, c'est un. Il en fait pas trop. C'est énorme, c'est une boutique spécialisée. Dans les munitions. Dans les munitions. Ah, un nouveau cassettophone. J'ai été porté à mon attention que certains importuns avaient découvert le moyen de pirater les distributeurs automatisés. Je n'ai pas besoin de rappeler à chaque président de Rapture. Que la libre entreprise est le fondement sur lequel nous avons bâti notre société. Les parasites seront châtiés. Ah oui. Ok. Seront châtiés. D'accord. Merci. Très bien. À peine pété la cassette. Donc, on peut pirater donc les. Sauf que. Elle a du rythme celle-là. Putain, y a rien. Y a pas ce que je veux. Ah. Voilà. Y avait pas ce que je voulais. Donc, quand on pirate, soit on peut ne pas pirater. Mm-mm. Tout simplement. Soit on peut acheter le piratage. D'accord. Est-ce que. Ah, super. Ok. C'est moins mal barré que tout à l'heure. Ok. Je trouve un autre. Voilà. Et comme ça fait que les prix sont moins élevés.
Oui, c'est pas gratuit, hein, non plus, hein. Faut pas déconner. On peut faire la même chose sur celui-là. Donc là encore, il est assez rapide. Voilà. C'est tendu. Ah, si on me donnait ce que je veux. Ouais. Putain. Trop tard. Ah, merde. Ok. Ok, d'accord. Ok, c'est okay. Bon, j'ai réussi à sauver le coup. Et un comme ça, c'est bon. Ok. Pareil, ça diminue les prix des trucs. On va racheter quelques seringues. Ouais. Notre drone, bientôt. Il s'en est pris un petit peu dans... Ouais, il a pris du plomb dans les... Ah bah... La tour, elle est morte. Ok, ici, oui, voilà, on avait une seringue qu'on n'avait pas pris encore. Il y a un truc, okay, là. Ok, super. Oui, il y a un truc, là. Ouais, mais c'est quoi aussi? The gaz, oui. The gaz, on peut pas penser. Bon. Il y a un... Une cassette au fond. Ah, encore lui. Je le sais bien. Regardez-moi. Pourrais-je affiner davantage cette perfection cosmétologique? Cosmétologique. Et mon cervelle m'ont métamorphosé. Mais ai-je pour autant atteint ma perfection? Qu'arrivera-t-il si ce n'est pas le talent qui m'abandonne, mais bien plutôt l'inspiration? Tout va bien pour cet homme. Hein. Voilà, donc oui, Steinman. Bonjour, est c'est un mégalo. On l'appelle Narcisse dans le milieu. C'est ça, il est stay away. Et il est égocentrique. C'est ça. Donc ici, on a les fameux postes de soins. Celui-là, il va mieux. Donc où on peut acheter en fait des kits de soins directement. On peut aussi les pirater. Hein. On va faire comme ça, hein, tout simplement. Ouais, pour l'instant. Ça se passe bien, il est plus lent celui-là. Après, les magasins sont plus compliqués, c'est normal, hein, vu que ça, ouais. Ça aide de, quand même pas mal de... C'est nice. Donc voilà, 10$ pour avoir... Ah non, ça te régène direct, en fait. Mmh. C'est... Non, oui, on peut les casser pour nous donner des trousses de soins. C'est ça, le truc. Tenenbaum. Ah, Tenenbaum, c'est un personnage important. En arrivant dans les camps, c'est là que j'ai découvert l'amour, l'idolâtre passion que j'avais pour la science. Le docteur nazi faisait des expériences. Parfois... Il manquait de rigueur scientifique et faisait une erreur. Quand je lui faisais remarquer, il était furieux. Mais me demandait ensuite, « Comment tu peux savoir tout cela ?» Je répondais, « Je le sais, c'est tout. » Alors il hurlait, « Si tu sais, pourquoi me le dire ?» Et je lui disais, « Si vous êtes décidé à poursuivre dans cette voie, au moins, faites-le correctement. » Voilà. Lâchez le micro, moi je dis. Et ché! Popopo! Alors, on en a encore une qu'on peut pirater. Nice. Ok. Tellement de talent au piratage, moi ça me... Plasmide gratuit à la dent du dandy. Bling. Ah. Oh non, caché.
cachée où elle faisait la morte. Les pompes funèbres, les chants du crépuscule. Donc là, on doit aller à la zone Chioji. Baleine. En même temps, la baleine, mais on ne la voit pas. Oui. Une petite sœur avec un monsieur P. Ouais, tout à fait.